Je pense qu'il a vu plus ou moins tous les films que j'avais éclairés moi avant. On n'a jamais vraiment parlé comme ça, mais je pense que ce qu'il y a plus là-dedans, c'est que j'aime pas du tout le naturalisme, et lui non plus, ou le réalisme pur et dur. Il aime bien que ce soit plus beau que la réalité et que ça soit travaillé d'une certaine manière. Là, ça peut passer par le décor, par la lumière. En m'appelant aussi, il m'a dit qu'il voulait s'éloigner un petit peu du show pas nuancé, j'appelle ça du show, du surtout comme un fil surtout. Donc là, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est une histoire réaliste. Donc on n'a pas envie de styliser trop cette histoire. Entre autres, on a échangé des photos et chacun a cherché un peu les références ou des inspirations possibles. Fred Herzog, c'est un Canadien. Saul Leiter, Ernst Haase. Ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'ils sont rarement chauds. C'est assez neutre et réaliste. Mais c'est à l'intérieur du décor, je dirais, des sujets, où il y a de la couleur, il y a des voitures rouges. Donc c'est ça qui fait une image assez colorée. Et c'est pas la teinte, et c'est ça que j'aime bien. On n'éliminait pas, en tout cas, comme on a pu le faire sur La Cité, sur un long dimanche, on n'éliminait pas systématiquement les gammes de bleu, le jaune. Il y a quelque chose de chatoyant et de lumineux. On sent bien qu'il y a un traitement, parce qu'il y a un petit décalage par rapport à ce que notre œil perçoit dans la réalité. Mais par contre, ça a cette richesse de gamme. Et en plus, les choses ont évolué en cours de route, dans l'idée de Jean-Pierre et dans la mienne au départ aussi, avant qu'Helena Bonham Carter donne vraiment son accord. T'es parti un peu sur des références de Lorraine Bacall, de choses plus monochromes, couleurs nature, etc. Et Helena amène une autre dimension. Et moi, je la trouve formidable là-dedans, et tout en couleurs.